bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, vous le verrez dans le titre, je suis tombée sur la vidéo de Toei House. Donc je vous ai mis cette chaîne dans la vidéo présentation de films d'horreur, je vous invite à aller la voir. Et donc là il vient de sortir une nouvelle vidéo, le mois macabre. Donc apparemment il faudrait faire une question par jour en rapport avec l'horreur. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc j'ai pas vu d'autres vidéos des youtubeurs que je connaisse, donc je vous invite d'abord à aller voir sa vidéo peut-être, hein, parce que j'en suis juste un peu celui, même pas qui a été inspiré, celui qui a repris un peu ce qu'on... C'est pas vraiment un concept, c'est le moi macabre. Donc, vu que là on est déjà... je suis paumée avec le confinement, on est bien le 6 avril les amis, je crois. Ok, le 6 avril, c'est ridicule. Le 6 avril, donc du coup... On va faire les 6 premières questions, parce que du coup j'ai manqué 6 jours là, donc voilà, on va faire les 6 premières questions. Et il y a 31 questions, sauf que dans ce mois-ci, il n'y a que 30 jours. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi la 7ème. Comme ça, après cette vidéo-là, chaque jour je ferai une question et ce sera très bien. Voilà. Donc on va commencer ce mois de l'horreur. Alors, la première question, c'était ton premier film d'horreur. Alors... Bon, on va dire que je suis partie un peu sur un classique pour mon premier film d'horreur. Il n'y a pas de très bonne lumière. Mon premier film d'horreur était évidemment Halloween, la nuit des masques. Donc l'original de John Carpenter. Voilà, pour la petite histoire, il était gratuit sur YouTube. Alors c'est pas la peine de chercher, je l'ai pu retrouver gratuitement sur YouTube, il n'y a plus. La vidéo a peut-être été supprimée. Et je l'avais vu sur YouTube gratuitement et j'avais trouvé ça juste trop bien. Alors désolé pour le bruit et dérangement, de toute façon, pour le confinement, c'est pas la peine de faire une vidéo super quali, hein. Voilà, c'est juste pour s'éclater, quoi. Et donc, oui, ça m'avait beaucoup plu et je l'avais trouvé une brocante, donc j'avais décidé de l'acheter. Donc Halloween, le tout premier de John Carpenter. Voilà. Ensuite, la deuxième question, c'était le dernier film d'horreur que tu as vu. Le tout dernier que j'ai vu, c'était Massacre à la tronçonneuse au commencement, que je me suis mis avant-hier. Et donc, voilà, c'est le dernier film d'horreur que j'ai vu jusqu'à présent. Bah, d'ailleurs, super film, hein, vraiment génial. Voilà, pour moi, il était vraiment bien. Bon, je vais pas vous spoiler, mais la fin était pas terrible, hein. Honnêtement, voilà. Ensuite, ton favorite Universal Monster. Alors, je m'en sors super bien en anglais. Le problème, c'est que pour moi, ça veut trop rien dire. Monstre universel préféré. Donc, je suis partie du principe que c'était le... En gros, le boogeyman, notre boogeyman préféré. Si c'est pas ça, c'est pas grave. Bon, voilà. Tant pis, parce que j'aurais fait une question. Moi, j'aurais répondu autre chose, c'est pas grave. Donc, bah, si je pars du principe que c'est mon boogeyman préféré, on va partir sur du petit Michael Myers. Voilà. Bon, après, il y a plein d'autres boogeyman que j'aime bien, mais forcément, vu que c'est mon premier boogeyman, je pense que Michael Myers, c'est quand même mon préféré. Ensuite, on passe à la suivante, donc la quatrième, ta franchise préférée, donc en gros, ta saga préférée, quoi, de film. Alors, c'est un peu gros, mais voilà, bon, j'ai ramené toute la saga. C'est la saga, évidemment, des Vendredi 13, donc je les ai tous, hein. On va le faire dans l'ordre décroissant, c'est pas grave. J'ai, du coup, le remake de Vendredi 13, Freddy contre Jason, Jason X, Jason va en enfer. Ils sont pas dans l'ordre, hein. Ils sont dans l'ordre décroissant, ce que j'ai amené dans l'ordre justement à l'envers, c'est pas grave. Vendredi 13, l'ultime retour, Vendredi 13, un nouveau défi, Vendredi 13, Jason le mort-vivant, Vendredi 13, une nouvelle terreur, Vendredi 13, 4. Vendredi 13, le tueur du vendredi 2. Vendredi 13, le tueur du vendredi. Et Vendredi 13, le tout premier, l'original. Voilà. Donc c'est une de mes franchises préférées. J'ai découvert cette saga notamment au jeu Friday the 13th.
Et donc, je trouvais tout le temps, comment dire, l'original Vendredi 13, mais il m'intéressait pas trop jusqu'au jour où j'ai voulu commencer cette saga, et donc j'ai acheté celui-là aussi. Alors honnêtement, vraiment en toute honnêteté, c'est pas mon préféré, le tout premier, mais ça reste ma franchise préférée. Question suivante. Ton meilleur film de vampire. Alors, je n'aime pas trop les films de vampires. Et les seuls que j'ai, je ne les ai pas vus. Donc on va partir sur le seul que j'ai, mais je peux pas trop en dire. En tout cas, Dracula 2001. Voilà, c'est un film de Wes Craven. Donc à mon avis, il peut être bien. Ensuite, on continue. Ton remake préféré. Là. Donc en gros, le remake, c'est comme le tout dernier Vendredi 13, le remake du film original. Et moi, ce sera Shining. Alors, il n'est pas très connu, mais franchement, il mérite d'être connu parce que c'est un super bon film en fait. Il dure 4h30, mais on ne les voit pas passer tellement le film est bon. The Shining, les couloirs du temps. Voilà, je vous invite à le regarder parce que c'est juste un super film. Il dépasse l'original clairement, hein, parce que j'aime bien le Shining, mais la version Stanley Kubrick, c'était trop à la Stanley Kubrick justement, et ça n'allait pas avec Shining. Ensuite, je crois que c'est la dernière question évidemment pour aujourd'hui, ton film étranger. Alors, normalement étranger, j'aurais pu prendre américain, mais ce serait un peu con parce que pratiquement tous les films d'horreur qu'on a tous, hein, à mon avis, ils sont américains. Donc, j'ai pris vraiment un film, vu que j'ai pas de film étranger dans leur version originale. Par contre, j'ai les The Grudge, les The Ring et tout, mais pas dans leur version japonaise ou chinoise. Donc, j'ai quand même pris l'un de mes films où ça se passe dans un pays étranger et qu'à la base, le film est chinois ou japonais, que je préfère, The Grudge. Voilà, simplement. The Grudge est un très bon film, je vous le conseille si vous voulez flipper un soir. Voilà. Donc on a répondu, on a répondu aux 7 premières questions, et donc demain on fera la 8e, et donc je ne vous le dis pas, demain on fera la 8e. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, enfin, petite vidéo, c'est juste le moins macabre, donc voilà. Je vous invite à regarder tous les jours pour voir au fur et à mesure les questions. Alors là, du coup, j'ai fait cette première pour rattraper mon retard et pour qu'il y ait, pour que ça corresponde bien à 30 jours dans le mois. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre tous les jours, du coup, le mois macabre d'homme sur ma chaîne. Notamment sur la celle de Twilight Rose. Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Lucas. Ciao.